Il s'agit d'une exposition présentée par l'Agence française de développement en partenariat avec la fondation Good Planet, qui est qui est liée à M. Yann Arthus-Bertrand, qui est connu pour ses belles photographies. Et donc cette exposition photographique porte sur comment concilier le changement climatique et le développement économique et social, et vise à présenter en fait des solutions concrètes qui permettent de concilier la lutte contre le changement climatique et le développement. Donc, dans cette exposition, il y a quatre sections. Il y a une section qui traite des questions énergétiques, avec des illustrations des investissements qu'on peut réaliser en termes d'énergie renouvelable et de maîtrise des consommations énergétiques. Il y a une section qui s'intitule « Nourrir le monde », qui traite des questions de production alimentaire, d'agriculture, sous des formes compatibles avec à la fois la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ses effets. Une section qui est derrière nous, qui s'intitule « Vivre ensemble » sur le développement urbain. C'est toute la question des transports, de l'adaptation des transports pour émettre moins de gaz à effet de serre, du traitement des déchets. Et enfin, une section qui s'appelle « S'adapter » et qui présente des solutions pour mieux répondre aux effets des changements climatiques, par exemple l'augmentation des catastrophes naturelles, l'augmentation du niveau de la mer, etc. Voilà comment est construite cette exposition. Et en plus de cette exposition de base, l'AFD, en partenariat avec le PNUD, a proposé quelques photographies complémentaires qui sont exposées à l'extérieur sur des projets tunisiens, cette fois-ci, parce que les autres photographies ne traitent pas de projets tunisiens. Donc, présenter des projets tunisiens réalisés en partenariat avec l'AFD ou le PNUD. Voilà. Un petit peu l'action de la France en matière de préparation de la COP21. Il faut savoir que cette exposition a circulé dans 80 pays dans le monde, et dans toutes les langues de la Terre. Et voilà le propos. La lutte contre le dérèglement climatique sera sans doute le défi majeur du XXIe siècle. Il y a urgence à agir. La communauté internationale est engagée dans un processus de négociation déterminant qui doit permettre d'arriver à un accord international contraignant lors de la conférence de Paris sur le climat qui aura lieu en décembre 2015, du 30 au 12, du 30 novembre au 12 décembre. Travailler sur le comment est tout aussi important. Une chose est sûre, les trajectoires économiques empruntées par les pays industrialisés ne sont plus viables, et la logique selon laquelle les pays en développement et émergents devraient les rattraper en les reproduisant l'identique est illusoire. Nous ne pourrons sortir de l'impasse que si nous engageons une transformation systémique des économies et des sociétés. De nouveaux modèles de développement sont à inventer, moins émissifs, plus résilients, mieux à même de répondre durablement aux aspirations économiques et sociales d'une population mondiale en croissance. En Danemark, mais par contre, le projet qui a été financé, c'est un projet en Éthiopie. Ici, on a une illustration de la déforestation à Madagascar, avec des pratiques d'agriculture sur brûlis qui atteignent leurs limites. La taille des populations ne permet plus la reproduction de ces systèmes. Et tout l'enjeu est de travailler avec les agriculteurs pour faire évoluer leurs pratiques de production vers de nouvelles voies qui évitent la dégradation des forêts.